Elle, c'est Jade. Elle est super dynamique et adore parler, parler et encore parler. Moi, pendant ce temps, j'écoute et j'analyse. Je suis en quelque sorte l'œil de la caméra. Ensemble, nous avons décidé d'ouvrir cette chaîne dont le contenu sera axé sur la ville de Reims, son actualité et ses habitants. Notre objectif est de présenter les aspects positifs de notre ville, les endroits à visiter, les lieux à découvrir et les événements à ne pas manquer. Nous voulons aussi pointer du doigt les possibles choses qui pourraient être améliorées et développées. Nous pensons que chacun a son mot à dire. C'est donc pourquoi nous avons décidé dans cette première vidéo de donner la parole aux Rémois. Le but est de recueillir leur impression sur la ville de Reims et son dynamisme. Oui, oui. Non, j'habite à 60. Ouais. À moitié. Comment ça? Genre en fait je suis interne et du coup la semaine j'habite à Reims et en fait j'habite hors de Reims. Faire les magasins, traîner à la place d'Arnon, en file. Non, aller au Stade de Reims. Je sais pas, faire les boutiques. Moi j'aime bien me poser dans la cathédrale et admirer. De la pâte d'oie. Ouais. Le parc de la pâte d'oie, franchement il est vraiment abondant ça. Devant la cathédrale. Ouais, mais je suis pas forcément d'accord. Devant, dans les parcs. C'est pas genre, le parc de Non, mais dans les parcs de Champagne. Dans le parc de Champagne, c'est super reposant, je trouve. Il y a tous les enfants qui courent, mais en même temps, c'est reposant. Ça dépend, peut-être plus en période estivale. Il y a plus de festivals, il y a plus de. Ouais, il y a de l'animation dans la ville, quand on se balade, de la musique et tout. Il n'y en a pas vraiment, donc pas tant que ça, finalement. Bonjour monsieur, habitez-vous à Reims? Oui. Est-ce que vous aimez vous balader dans le centre-ville de Reims? De temps en temps, oui. Oui, quand même. Vous jouez de l'accordéon depuis combien de temps? Dans le centre de Reims depuis 23 ans. D'accord. Et personnellement, oui, il y a plusieurs ans. Mais dans le centre depuis 23 ans. Je suis arrivé dans le centre de Reims, ça va faire 23 ans au mois d'avril. Au mois d'avril 1995. D'accord. Donc, il faut faire le calcul, ça fait 23 ans. D'accord, merci. En fait, on fait des spectacles dans toutes les villes de France pour faire en sorte que tout le monde puisse accéder à des spectacles. Et on fait ça partout, partout, partout. Là, on en a fait un. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, on ne pourra que s'améliorer. Et on espère que ce format vous aura plu, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette première vidéo et on se retrouve pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures.